Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va encore faire un concept qui n'a jamais été vu. Je vais lire les anecdotes d'Halloween de mes abonnés. Mais moi, vu que je suis quelqu'un de révolutionnaire, la vidéo sort 2 semaines après Halloween. Parce que je suis vraiment dans le turfu, moi. Je fais tout en retard, quoi. Alors déjà, on va commencer par mon anecdote à moi qui n'est pas intéressante. Mais je vais quand même vous la raconter parce que... On est sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Non mais... Oh. Attendez les gars, c'est Halloween, faut bien que je me déguise. J'avais pas de déguisement à proprement parler. J'ai l'impression que je perds beaucoup de points de charisme avec ça. Je pense que je vais l'enlever. Ouais, on va faire ça. Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Du coup, commençons avec mon anecdote à moi qui n'est pas intéressante par rapport à ce qui va arriver après. En vrai, j'en sais rien parce que je les ai pas encore lus. Je fais genre que mes vidéos sont préparées. Donc mon anecdote à moi, ça se passe quand j'étais en 3ème le soir d'Halloween. Ce qui paraît logique, c'est le but de la vidéo. Donc, c'était avec mes meilleurs potes, j'en avais 3 à l'époque. Et donc on était chez l'une d'elles et on s'amusait tout ça. On est parti faire la récolte des bonbons. On était peut-être en 3ème, mais il n'y a pas d'âge pour récolter les bonbons. Wow, je vous trouve un peu accusateur là, hein. Moi j'aime manger tout le temps, il n'y a pas d'âge pour manger. Et à un moment, on passe devant une pizzeria qui était ouverte. Je sais pas quelle heure, il va être 23h, je sais pas pourquoi elle était ouverte, mais elle était ouverte. Et c'est en train de ranger, je crois. On commence à arriver vers eux, enfin, on était un peu en mode, eh, viens, on essaie d'avoir une pizza gratuite. Ouais, mais pourquoi ils nous la donneraient? Mais viens, on fait une chanson. Je sais pas pourquoi on a pensé à ça, mais on y a pensé. On arrive vers la pizzeria, on fait bonjour. On vous propose un deal. Une chanson contre une pizza. Et les personnes s'étaient un peu amusées en mode, ok, ok, allez-y, on vous écoute. On s'est regroupé, on a fait « Bon, du coup, on chante quoi ?»« Ouais, moi, c'est pas chanter. » Bon. Il y en a une qui propose « Eh, venez, on rappe. » Et on s'est regardé, on a fait « De ouf. » Donc, ça s'est fini par un rap. De la musique de Big Foley, Jeunesse Influençable. Je pense que vous attendez un court extrait de ce moment, parce que je m'en souviens encore de cette musique. Ça va être gênant dans 3, 2... Hein. J'ai vu l'un dans les écoles, les jeunes qui picolent, lol les heures de colle. Une taf, tu décolles, t'es trop bonne, en fait tu redétonnes, tu déconnes, ça donne, je ne vois que des clones, la journée je m'ennuie, donc le soir je m'enivre, j'ai raccourci ma vie pour avoir l'impression de vivre. Influençable, t'es pas super la norme, pourquoi tu bois pas, t'es pas la norme. Face à moi, voilà le nouveau credo, change mes rencontres des pédos, sur le ring, en fait c'est des kingas, j'ai m'enflé, t'es formé par le bling bling, let's gage, j'ai habitué au gage. On va s'arrêter. Et du coup, ils nous font bon, bah ça tombe bien, il y a un client qui est pas venu chercher sa pizza, venez, vous pouvez la prendre. Du coup, on est arrivé, on a pris la pizza, on s'est foutu genre à côté, on a commencé à la manger, on a fait « Putain, qu'est-ce que c'est bon une pizza gratuite ? C'est encore meilleur qu'une pizza normale !» Et ça se finit là-dessus. Pour une fois, je ressemble à ça ce jour-là. Un vrai canon. Fin de mon anecdote nulle. On va commencer avec les vrais maintenant. J'ai mon écran ici, je vais lire les anecdotes. Alors, commençons avec Merwan. J'espère que ça va déjà. Ça va ? Mon anecdote s'est passée l'année dernière, j'avais donc 17 ans. J'ai trouvé un coin plutôt sympathique dans une décharge en forêt avec 2 de mes amis. Et un autre groupe qui était censé nous rejoindre plus tard. Et donc on a voulu faire une blague. Et donc un de mes 2 amis, Paul, s'est caché. Qui va dans une décharge en forêt en pleine nuit? Qui? Et quand ils sont arrivés, il a commencé à faire du bruit. Jusqu'à là, on dit que c'est un animal, rien de fou. Jusqu'au moment où il jette un truc beaucoup trop lourd pour que ce soit en provenance d'un animal. On dirait pas le début d'un thread d'horreur de Squeezie. Sauf que là, c'est des gens qui font une blague. C'était mon intervention. Donc l'ambiance monte et on envoie un message direct à Paul pour qu'il se montre avec une capuche. Comme dans les films. Et imagine, il y avait un deuxième mec qui apparaissait sauf que c'était pas Paul. Je pense que t'aurais pas eu la même réaction. Et là, la blague marche. Et même un peu trop bien car l'une des filles du deuxième groupe s'est mise à faire un début de crise d'angoisse. Ah oui, donc la blague était poussée. Hein. C'est cool toi, t'es une bonne pote, ouais. Un bon pote? Oui, non, je sais pas. Merwan, c'est féminin ou masculin? Bon, toi, en termes de potes, personne te veut. Tu donnes des crises d'angoisse à tes potes. On a dû arrêter environ au bout de 5 minutes après qu'il se soit montré. Imagine-toi sa place! Moi, je serais partie en courant, j'aurais détalé tel un lapin. Au final, tout s'est bien passé, elle s'est calmée et on a eu chaud. MDR, la soirée a pu continuer et se dérouler. Et voilà, fin. Bah, c'était cool. Juste, évite de donner des crises d'angoisse à tes potes. C'est un conseil? Wesh, wesh Noé. Bon du coup, moi il y a 2 ans, j'ai fêté Halloween. Waouh, ça va être compliqué à lire. J'ai fêté Halloween avec 2 potes. On était dans une salle spéciale pour Halloween avec des tables pour manger, des parcours, un terrain de foot et d'autres trucs. En gros, c'est ça. Ok, donc le mec fait des Halloween beaucoup plus stylés que nous.
Et du coup, on est rentré dans la salle, il y a une meuf en mode vampire. Elle faisait genre qu'elle dormait. Elle se réveille et s'agrippant à mon bras, en me gueulant que dans la salle, c'était des tarés et qu'il fallait pas y aller. J'hésitais, mais je me suis dit, vu la queue derrière moi, il fallait bien que j'avance, bref. Ah, mais c'est un truc en mode Marin Noir de Paris, en fait. Sauf que la meuf, c'était une meuf qui avait participé et qu'elle a eu peur, ou elle faisait partie du truc. Noé t'explique mal, hein. C'est pas clair, Noé. Elle me lâche mon bras, on rentre, on fait une photo avec mes potes, parce qu'on était déguisés et qu'il fallait bien le faire. Et puis, ils, les animateurs, nous proposent d'aller dans une petite maison où il y avait des animateurs déguisés et des petites scénettes. Alors, je vous propose d'aller dans une petite maison au fond du jardin. T'inquiète pas, il y a des bonbons. Viens, viens mon petit, viens. Je sais pas pourquoi je pense toujours à des trucs dégueulasses. Où ils devaient nous faire peur. J'espère que ça vous a fait peur. Du coup, voilà. On passe, tu dis beaucoup du coup, hein. On passe de pièce en pièce quand il y en a une où il y a un mec qui est déguisé, comme si c'était genre un rat de laboratoire, avec plein de cicatrices, il était allongé sur un lit d'hôpital. C'est rassurant, hein, c'est bien. Bah après, c'est un truc pour faire peur aussi. Ouais, je suis un peu con, ouais. Il se réveille, c'est un grippant à moi, encore. Je crois que les gens aiment bien être proches de toi. Et comme un négro débile, j'ai eu un unique réflexe, ça a été de frapper la main à plusieurs reprises. Casse-toi, putain de merde! Donc voilà le résultat des courses. J'ai tapé à l'animateur qui faisait juste pourtant son travail. Et en plus, au cours de la soirée, je me suis tordu violemment le doigt. Toi, tu t'es pris un retour de karma violent, hein? Mon histoire d'Halloween. Alors, bonsoir, Madame Nez. C'est moi? Encore Noé, tout le monde s'appelle Noé ici, hein. C'est dans mes abonnés, tout le monde s'appelle Noé. En cette journée de Toussaint, je m'en vais vous raconter mon histoire d'Halloween. Je vais arrêter de parler comme ça. Non mais moi j'aime bien, ça donne une petite atmosphère horrifique. J'essaye de vous faire peur là. Ça marche pas ? C'était en 2018. Mon meilleur ami de l'époque et moi sommes allés voir Bohemian Rhapsody au cinéma. Le 31 décembre était la date de la sortie en France. Donc toi t'allais le voir directement à la sortie, bien joué, tu es quelqu'un de rapide. La séance finit tard et j'avais pas l'habitude de sortir, alors imagine en fin de soirée. Ouais, j'imagine bien là. Ce soir-là, beaucoup de rumeurs disaient qu'il y aurait la purge. Ah ouais, comme dans American Nightmare. Ça, c'est vrai qu'en 2018, il y avait tout le monde sur tous les réseaux, c'était « va voir la purge ». Surtout sur Facebook. Ça me paraissait assez stupide, mais bon, assez pour m'angoisser. Ça angoissait plus d'une personne, moi aussi j'ai eu peur. On est donc rentré chez moi au bout de 45 minutes. Mes parents avaient invité du monde, mais ils nous avaient dit qu'ils partaient au restaurant. Nous allons donc être seuls toute la soirée avec mon ami. Clin d'œil. Non, c'est pas dans ce but-là. Non, ok. On a donc énormément psychoté en pensant voir des ombres et entendre des bruits. Ça faisait assez longtemps que j'entendais des bruits quand j'étais seule chez moi, mais là, avec l'ambiance, c'était pire. Oh, ça devient intéressant. Des boum. Je fais très bien dans des bruitages. À l'étage du dessus. On a tellement flippé qu'on a gardé des couteaux près de nous au cas où. Et vous êtes des malades. Et tu m'approches, je te plante. La soirée s'est terminée, mon ami est rentré chez lui, mais pas la sensation de peur. Mais tu écris bien toi, dis donc. Beaucoup mieux que celui d'avant en tout cas. En fait, les éléments s'étaient intensifiés. Encore plus de bruit qu'avant, la sensation d'avoir une présence pas loin. Quand j'allais en cours, j'avais l'impression d'être touchée. Comme si on me soufflait dans l'oreille, mais il n'y avait personne. Il y avait un fantôme qui te suivait. Un jour, j'ai pris une photo de moi, car parler, on s'envoyait des selfies avec une amie. Oui, bon, on avait que ça à faire nos vies. Non, mais je juge pas, hein. Et une tache blanche s'est formée sur la photo, juste derrière moi. Qu'on soit clair, la tache blanche dans les vidéos ou les photos paranormales, mais là, quand c'est juste derrière moi et que ça suit parfaitement le contour de mon épaule, j'ai aussi une amie qui dit qu'elle peut entrer en contact avec l'au-delà. Tes amis sont spéciaux. Bref, cette fois-ci, j'étais en live sur Instagram, et à l'instant où elle a rejoint le live, elle a dit « il est au plafond derrière toi ». C'est très rassurant. Ça m'a vraiment fait un froid dans le dos. Et en lui demandant des explications, elle m'a dit qu'elle le voyait pas vraiment, mais qu'elle le voyait. Qu'elle le voyait. Apparemment, ce serait une espèce de démon qui me suit. Cool! C'est... Waouh! Trop bien! On s'amuse! Donc, conclusion de l'histoire. Tu es suivi par un démon. Alors, tu vas être gentil, tu le gardes pour toi. Passons à la prochaine histoire. On le fêtait avec deux de mes amis. Petite soirée, raclette, tranquille. Tranquille. Puis gavage de bonbons en jouant à Action Vérité. Puis vient le gage ultime. Je devais envoyer un message pour dire à mon crush que je l'aimais. Wow. En fait, je l'avais déjà fait quelques semaines avant et elle m'avait dit qu'elle y réfléchirait, mais j'avais pas eu de nouvelles. Il s'agit donc d'une relance. Je me suis pris un gigantesque râteau et à pas passer un très bon Halloween du coup, j'ai gardé le screen du message, je te laisse en plein joint. Eden. Oh, c'est tellement triste, Eden. Tu m'as laissé une petite pièce jointe, allons voir ça tout de suite. Salut, je t'aime toujours, tu sais. Faudrait que tu me dises si t'as fini de réfléchir. Je te tiens au courant si j'y arrive. Ouais, c'est un peu flou, je t'apprécie beaucoup, mais j'arrive pas à décerner l'amour de l'amitié. Ça va, c'est fait en douceur quand même, hein. Elle aurait pu te répondre. Elle aurait pu juste pas te répondre. Ah, je m'étire. Ouh là là, ça fait du bien. On passe à la dernière anecdote. Bon, du coup, mon histoire, c'est en CM2, je crois. Et un mec, qu'on va appeler Gon,
Gone, c'est mieux. Qui était en crush sur une de mes potes, qu'on va appeler Sakura. Je suis sûre qu'il regarde jamais d'animé. C'est des prénoms normaux. Oui. Sinon, Sakura était avec quelqu'un qu'on va appeler Naruto. Putain, mais t'es en train d'essayer de faire un anime, là. Dis-le. Tu te racontes un animé, en fait. Et du coup, Gone a voulu se venger et a ramené un couteau, genre, énorme. Un CM2. C'est normal. Tout va bien. Everything is okay. Et quand un mec lui a demandé pourquoi il avait un couteau, ce qui paraît plutôt normal, il a menacé et lui a fait des entailles dans la joue. Foutez-le en prison, ce gosse, foutez-le en prison. Gone va en prison tout de suite. En CM2. Du coup, le mec la balance et Gone s'est fait déglinguer. Mais normal, Gone s'est mérité. Il a eu plusieurs excuses. C'est ma sœur, elle m'a dit que c'est pour me défendre. Mais te défendre de quoi? Tu veux planter des gens, y'a personne qui t'en veut. T'es juste jaloux, c'est tout. Ça a dû tomber dans mon sac quand je déjeunais. Oups! Mais c'est tombé tout seul dans mon sac! Alors, dans cette école que je vais pas citer, il y a plusieurs trucs de ce genre. Mais génial! C'est rassurant de lire ça, en tout cas, c'est cool. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était rigolo de lire vos histoires comme ça. Même si la moitié était rédigée pas ouf, hein. Vous pouvez me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que j'annonce ce genre de choses. Par exemple, si je vais faire demain une vidéo où je fais « Racontez-moi vos pires hontes !» Je suis vraiment quelqu'un d'original. Ben, ce sera sur Instagram que je demanderai. Suivez-moi sur Instagram, du coup. Suivez-moi aussi sur TikTok, parce que sur TikTok, ben, je fais une vidéo genre tous les deux jours. Donc venez. Abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, parce que ben, ça serait gentil de votre part. Likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Activez la cloche. En tout cas, moi, je vous dis au revoir.